Et le point numéro un pour apprendre à bien cultiver la vie, c'est le non-jugement. Parce que dès qu'il y a un jugement, on cultive la direction de l'énergie. Et c'est ce qui est plus difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il y a plein de carences. Il y a plein de mémoires derrière. Hein? Il y a une carence en sentiment d'importance ou de solitude ou de besoin d'amour, de besoin de reconnaissance ou je suis pas assez. Mais quand on arrive à prendre de la hauteur, on sait qu'en fait, ça tient même pas de nous. C'est la vie. Et ma job pour perdre du poids, il faut que je cultive la vie. Ma job pour être en amour, il faut que je cultive la vie. Ma job pour passer de faillite à dans une abondance, il faut que je cultive la vie. Ma job pour avoir du sang qui circule dans les mains au lieu d'avoir les mains froides, il faut que je cultive la vie. Dans les pieds, la même affaire, il faut que je cultive la vie. Il faut que je comprenne la machine. Il faut que je comprenne les principes du vivant. Ce sont la même affaire dans ma biote intestinale que dans le macro. C'est la même chose. Mais à la base, avant d'aller plus loin dans tout ça, je dois comprendre de quoi je suis conçu.